Coucou mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les tenues de SSO les 10 ans de leur anniversaire. Donc c'est parti. Donc la première, c'est avec les fers dorés qu'on doit trouver dans toute Jorvik. Une tenue assez simple, basique, avec des variances de couleurs entre le rose, violet et noir. Très jolie, moi j'adore. On prend qu'il n'y a pas de stats, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une tenue d'anniversaire grâce aux fers dorés qu'on trouve dans toute Jorvik, à Morlang, Fort Pitot, etc. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à trouver les fers, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez voir sur ma chaîne. Voilà. Petite précision. On va la regarder en détail. Et de plus près. Avec les motifs de diamants là sur la selle. C'est trop beau. On a une selle, un tapis, une sacoche, des brides et des bandes. Très joli. Donc voilà. On va passer à la tenue suivante. Celle-là, elle est un peu particulière. Je vais vous le dire. On se retrouve tout de suite après. Donc alors, la deuxième tenue est un peu particulière. Donc c'est par rapport aux questions qu'on doit répondre. C'est une sorte de culture générale par rapport à l'histoire de Jorvik. Et on a pour l'instant une selle, un tapis, des guettes, des bandes et un deuxième tapis, voilà. Mais pour l'instant on a eu que ça, donc on verra par la suite, mais pour l'instant j'ai plus de questions par rapport à ça, donc je sais pas, on verra bien. Donc voilà pour les deux tenues de l'anniversaire de SSO. On va regarder de plus près quand même. Petit motif là. Et le deuxième tapis. Je préfère plutôt celui-là, il est plus beau le tapis, je trouve. Voilà. Et la selle. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré présenter les tenues là. Même si la deuxième elle est un peu particulière, mais on verra bien par la suite. Hein. Alors petite précision par rapport à cette tenue, donc elle a des stats. Voilà. Bon, il n'y a que le tapis et la selle qui sont des stats. Donc voilà. De plus, on a aussi la tenue d'anniversaire à la boutique près de Morland. Donc c'est une tenue assez rose. Même très rose. Il y en a qui l'aiment pas trop, mais je trouve qu'elle est sympathique. Et en plus, elle a des stats en plus, la tenue. C'est très bien, très sympa. C'est cool. Voilà. Alors oui, j'ai oublié pour la cavalière. Pour la première tenue avec les fers dorés, on a cette tenue avec... Alors, on a une couronne. Un maillot comme ça. Une jupe. Des bottes. Des gants. Et un deuxième haut. Très sympathique et que j'adore. Les petits détails et tout, j'adore. Donc voilà pour la première tenue pour la cavalière. C'est vraiment toujours le style de variance avec le rose et le violet. Et le noir, c'est vraiment beau. Marqué 10 ans derrière, c'est vraiment joli comme tenue pour la cavalière. Voilà. Et pour la deuxième tenue, on a juste un haut comme ça. Une sorte de veston qui va faire le bas derrière et en haut c'est coupé. C'est très joli, voilà.
pour la deuxième tenue. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai oublié pour la cavalière. J'ai pensé que les équipements du cheval et j'ai oublié pour la cavalière. Autant pour moi, excusez-moi encore. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai bien présenté les tenues. Si c'est pas le cas, bah dites-le en commentaire. Hein, et je peux juste m'améliorer. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et même vous abonner, c'est très important pour la communauté de ma chaîne. Et merci d'être aussi nombreux, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir, bisous, bye.